Hey, salut bande. Hallo, mein Name ist Plum Noir Korax. Wir fahren heute mit Sidrek und Gothic Gotcha auf die Nordschleife. Let's get los. C'est dans les années 20 que l'Allemagne décide de se doter d'un circuit permanent. Une boucle de 28 km, au total 128 virages. Des dénivelés fulgurants. Il deviendra le circuit le plus exigeant au monde. Son surnom sera vite devenu l'Enfer Vert. Bienvenue au Nordschleife pour le Green Hell. Rejoignons maintenant nos amis à leur campement, le Lindner Hotel Nürburgring. Ça fait quoi d'être ici? Bah c'est un super séjour, ça fait plaisir. Bon alors la préparation de la E36 330i. Ouais, 330i, maintenant on peut plus dire 325i. Avec ce fameux M54B30. Déjà la 325, elle a un sacré palmarès. Ouais. Donc, ça fait combien de temps que tu l'as? Eh ben je l'ai acheté en 2012. Je l'ai préparé pendant un an et demi à peu près. Et un an et demi peut-être. Et donc bah, depuis, on va dire, de mi-2013, fin 2013, j'ai roulé avec non-stop jusqu'à la fameuse journée à Nogaro en 2018. Ouais. 3-2. Ouais, 3-2. Troisième, 7000 tours minute. Je passe la cale. Les 10 000 tours minutes qui ont plié les soupapes d'échappement, ce moteur sera refait. En attendant, je pense bien laisser le M54B30 dans la nouvelle 330. Ouais, voilà, comme ça. Vu ce que ça donne, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je savais pas si c'était une M3 ou... Non, mais le couple, il est incroyable. C'est plus toute la même caisse. Couple, on est plus la même caisse, plus le même bruit. Ah, il y a une reprise avec le M54B30. Et tout ça avec seulement 15 chevaux d'écart, je crois. Et il fait 230 chevaux d'origine, le M54B30. J'en faisais 217 modifiés avec le M50B25. Ah oui, le tableau de bord. Ah, ça c'était un rêve. En fait, quand je l'ai construite, donc, j'étais parti sur les E36 officiels BMW de ces années-là, qui avait ce beau tableau de bord en carbone au niveau de la console centrale là, et ça m'a toujours fait rêver. Donc t'en trouves à 1000-2000 euros, ça fait un peu cher, et pourquoi je le ferais pas moi-même? J'ai pris un carton, j'ai fait mon patron, je l'ai mis en place et dessiné les emplacements de chaque interrupteur, les manomètres, une plaque d'acier en 0,5, je l'ai découpé, j'ai fait mes soudures, et finalement bah le rendu me convient. J'ai enfin ma console un peu style STW. Je suis assez content. Alors, c'est quoi cette déco sur la voiture? Et ben, c'est la déco de Johnny Cecotto en 1997 dans le championnat STW. Avec Cédric, on a un autre projet qui concerne également le championnat STW en 1997. Quand j'ai fait la 325i, j'étais plutôt parti sur la base de la BMW de Steve Soper en BTCC de 93. Ça, c'était mon objectif quand j'ai créé la voiture. Finalement, bah, avec le projet qu'on va faire ensemble avec Cédric, je pars sur la STW de 1997. Bon, j'ai mis le numéro 6 parce que 6, c'est mon numéro. Bon, bon ça c'était parfait. Ouais. Voilà, c'est tout, on a tout dit, je pense. Est-ce qu'il nous reste des pâtes? Oui. C'est bon, ben, on va bouffer. La fin, c'est parti. Oui, t'inquiète.
Yeah! Qu'est-ce que t'en penses, Sidrek? Ah, on s'y croit là. Enfin, c'est pas qu'on s'y croit, c'est qu'on y est. Sidrek! Eh, sans ABS, sans anti-patinage. Bon, ça va. Tu roules comme ça quand on est en hors-champ, je peux te dire que je me suis tué. Heureusement qu'on a pris un grand appart, hein. J'ai les deux jambes, j'ai deux jambes pour chaque pédale. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'on fait au North Live? Eh ben, on finit la voiture parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire avant. La rigolade? Oh oui, c'est deux, trois fils. J'ai refait mon faisceau électrique entier dans la voiture. Parce que j'ai pas terminé, j'ai pas fait les vitres électriques. Ça permet d'avoir un petit peu de confort quand même. Et donc, de mettre la carte. Et de mettre la carte, ouais, parce que là, du coup, elle s'ouvre plus les vitres. Et donc, là, j'essaie de retrouver les fils qui correspondent aux vitres électriques pour les connecter. Eh ben, ça, c'est du taf, hein, faut le dire. Yeah, y'a Sidrek dans ma bagnole, dans le croco, et Gabriel Hoffman. Ah, c'est bon, l'autre il s'est cassé, on part. Ah, tu vois que ça va être... On a le petit privilège d'être garé juste là, avec le croco, à l'entrée du Nordschleife. Okay. T'as paumé les clés? Ouais. Comment on va faire maintenant? Bah, on rentre en fauteuil. Vas-y, marche arrière. Jesse, ouvre la porte. Hey! On est où là? On y va, on va faire le premier tour. Peut-être. Ah, peut-être. Il y a déjà la queue alors qu'on est encore à 1 km du Nürburgring. Là, il y a une coccinelle. On va où là? Au rasso. Regarde les rassos là-bas, ça craint avec la angle de vue là, mais la ligne droite du Nürburgring elle est déjà prise. Ça y est, on y arrive, tout doucement là. Bon ben on est prêt là.
Ah, le passage des tickets. Thank you.
Ça va toi? Ouais, ouais. J'ai vu qu'au freinage n'était pas super équilibré, tu sais. Ouais. Que ça bloquait. J'aurais pas dû, dès le premier tour comme ça, j'aurais pas dû. Je sais pas si t'arrives. J'ai glissé, chef. J'ai glissé, chef. Et ça fait combien de temps que tu roules sur circuit? Sur circuit 2009. 14 ans. 14 ans, sans faire de pète. On va dire oui. T'en as fait un quand même? J'en ai subi un en entraînement, les jeunes scars, la Ferté Gaucher. J'ai un collègue qui m'a explosé l'arrière. Ah ouais. Ah ouais. Non, mais sinon, ouais, avec ma voiture, c'est mon premier pète. Ouais, moi aussi. C'était mon premier gros choc. Bah désolé. Non mais ça m'a remis les cervicales en place. Ah, c'est bah, parfait. Juste une égratignure. Ouais, oui, les harnais. Ouais. Comme quoi important hein, normalement la combi ou des vêtements. Bah ouais, c'est clair. Ouais, parce que là ça m'a bien pris là. Ouais. Mais quand on est arrivé dans le bac en gravier, je me suis dit bah là ça va bien ralentir, ça va nous freiner. On a fait de l'aquaplaning de gravier. Ah ouais. Elle a flotté au-dessus des graviers et au dernier moment elle a commencé à chasser. C'est ce qui a fini la chose. Quoi. Ouais, oh, j'ai du mal à dire qu'elle n'était pas en l'air, cette voiture. Quand elle était au-dessus des graviers, elle était en l'air. Elle était un petit peu en l'air. De toute façon, même sur le circuit, elle était en l'air hein, la plupart du temps. Ah bah, on atteste la dernière la photo. On atteste la dernière photo avant le crash. Hein, Deux secondes avant le crash. Ouais, c'est ça, littéralement. Bon, en tout cas, encore merci. Hein, bah, merci à toi d'être venu, c'était super cool. Ah bah, ça a permis de se voir un peu plus que sur circuit. Bon, là, c'est vraiment le côté humain. Ouais, ouais, carrément. Et ça puis, bah, tu m'as bien aidé avec Cédric à supporter ce moment un petit peu difficile pour moi. Bah, je comprends parfaitement. Et désolé de t'avoir embarqué là-dedans. Pour toi, ça me fait chier. Bah, bon. Bah, cool. C'était vraiment un bon séjour. Ouais. À voir ce qui s'est passé. Ça, c'est sûr que je vais la refaire. Peut-être même encore mieux. C'est pas fini. J'aurai ma revanche.